ici sur maintenant acheter. C'est bon? Ok, j'ai tout sur acheter. Bien, les gars. Voilà, donc je continue. Par rapport à l'achat, là, je vais vous montrer quelque chose. Hein. J'ai pu faire mon achat. Vous voyez? J'ai pu faire mon achat. Mais là, il faut que je vous montre quelque chose. On va rectifier quelque chose maintenant. Par exemple, je clique sur Big Bro qui est là, là. Big Bro, là. Ça va? Je clique sur Big Bro. Ça va? Donc, quand j'ai cliqué sur Big Bro, regardez ici. Vous voyez que moi, je n'ai plus de USDT. Avant, vous avez vu mon solde USDT qui était là, non? Mon solde USDT qui était là, là, c'était comme un 10, et quelques. Maintenant, je n'en ai plus parce que j'ai réussi à faire l'achat. Mais je vais vous montrer comment faire. Ça va? Donc, lorsque vous êtes là, regardez très bien. Je vais écrire un ici, un USDT là. Et là, en bas ici, vous allez voir la quantité de ATH que ça fait. Ça va? Donc, j'écris un. C'est bon? OK. Quand vous écrivez 1 là, on dit insuffisance, voilà, solde insuffisant du portefeuille. Sachez que 1 dollar, 1 USDT BEP 20 là, n'est-ce pas? Ça fait 32,5 ATH. Vous comprenez? Mais le souci, c'est que ce vendeur que j'avais choisi là, celui-là, lui, il n'a pas 32 ATH. Lui n'a pas 32. Ça va? Lui, il a seulement que 16. Voici ça ici. Il a seulement que 16 ATH. Or, un seul dollar ici paye jusqu'à 32 ATH. Donc, lui, il a seulement que 16. Donc, ça veut dire que l'achat ne peut pas passer avec lui. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ça va? Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher un vendeur qui a au moins 33 ATH, c'est-à-dire 1 dollar de USDT, pour pouvoir acheter avec lui. Ça va? Mais tout ce que vous voyez ici, là, Big Bro, lui, il a 16. Ça va? Celui-là, lui, il a 25. Celui-là, il a 20. N'est-ce pas? Ça veut dire que je ne peux pas acheter chez ceux-là. Quand je descends encore, regardez un peu ici. Celui-là, lui, il a 0,2. Celui-là, lui, il a 13. Celui-là, lui, il a combien? Il a 690. Vous voyez? Donc, je peux acheter avec lui. Ça va? Je peux effectivement acheter avec Ajay. Puisque Ajay, lui, il a 690. Donc, je peux acheter avec lui. Ça va? Je peux acheter avec lui. Maintenant, si dans la liste, vous ne voyez personne, vous pouvez descendre. Quand vous descendez là, vous arrivez ici, vous voyez quoi? Vous voyez ici, n'est-ce pas? La liste, il y a jusqu'à 215. Il y a jusqu'à 215 listes. Ça va? De vendeurs. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la flèche qui est ici, là. Vous cliquez sur la flèche qui est là. C'est bon? Vous cliquez sur la flèche qui est là. Ça va vous conduire directement à la page suivante. Ça va? Et lorsque vous serez à la page suivante, ça va? Vous descendez. Voici un ici, lui, il a combien? Lui, il a 74. Donc, déjà, vous pouvez payer avec lui. Mais lui, vous ne pouvez pas payer avec lui parce qu'il a 0,45. Ça ne marchera pas. Votre achat ne passera pas. C'est bon? Regardez celui-là, il a 11. Vous ne pouvez pas payer parce qu'un seul ATH fait 1 dollar fait 32 ATH. Lui, il a 11. Vous ne pourrez pas payer avec lui. Regardez celui-là, par exemple. Lui, il a 144. Vous pourrez payer avec lui. Ça va? C'est comme ça que vous faites pour choisir. Ça va? Celui avec qui vous payez. C'est bon, un peu, vous voulez payer. Et lorsque vous allez choisir, par exemple, je vais choisir Jay. Ça va? Je vais choisir Jay. C'est bon, je choisis Jay. Lui là, je le choisis. Quand vous le choisissez, puisque lui, il peut vous vendre, vous cliquez là sur acheter. Quand vous allez cliquer sur acheter, ça va, voici la page. On dit solde insuffisant. Mais lorsque la page va apparaître, ça va un peu. Vous pourrez simplement, comme je l'ai dit, indiquer le montant ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur tout. Lorsque vous allez cliquer sur tout, vous allez voir que le montant va apparaître là. Et dès que le montant apparaît là, vous cliquez simplement sur acheter et automatiquement, vous allez voir que votre achat a été effectué avec succès. C'est bon? Lorsque vous avez fini de faire votre achat et que vous voulez voir les pièces que vous avez achetées, vous cliquez ici. Vous cliquez sur la tête qui est là.
vous cliquez sur cette petite tête là, c'est bon. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous cliquez sur aperçu ou bien overview. Ici c'est aperçu parce que moi je travaille avec mon navigateur, il a traduit ça. Mais lorsque vous allez appuyer, vous allez voir, vous allez appuyer sur la petite tête. C'est bon, lorsque vous allez appuyer sur la petite tête, sur la petite tête qui est là, vous allez voir que ici, ça va afficher overview. Vous cliquez dessus, c'est bon. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir vos pièces. Ça va? Maintenant, vous allez voir vos pièces. Vous allez voir vos pièces. Quand vous allez descendre, vous allez voir vos pièces. Mais lorsque vous allez acheter, là, je vous dis, vous allez voir une merveille. Vous savez le prix d'ATH sur le P2P, là. Le prix même que les concepteurs du projet ATH ont fixé pour un seul ATH, là, vous savez c'est combien? Moi, j'ai mis seulement que 10 dollars et quelques pour acheter 300 et quelques ATH. Mais si je descends en bas, le prix que ça me fait sur mon compte, là, vous n'allez pas croire. Je vous laisse à vous cette surprise-là. Payez lorsque vous allez descendre. Ce qui est sur mon compte actuellement, si je vous montre, vous n'allez pas croire. Ce que ça fait en dollars, si je vous montre, pour 10 USDT d'ATH seulement que j'ai payé, ce que ça fait en dollars. Si je descends tout à l'heure, je vous montre, vous n'allez pas croire. Donc les gars, allez acheter, c'est un moment pour vous de ramasser des pièces. Parce que lorsque vous finissez de payer chez ceux qui vendent là, combien ça fait réellement chez Athènes là? C'est extraordinaire. C'est comme si vous payez quelque chose à 500 francs et puis quelqu'un paye ça dans votre main à 20 000 francs. Écoutez très bien, c'est comme si vous payez quelque chose à 500 francs et quelqu'un paye la même chose dans votre main à 20 000 francs. Regardez un peu ce que vous faites. C'est ce que ATS, c'est ce que Athènes a prévu pour nous. Je ne vais pas descendre pour vous montrer. Je veux que chacun, je vais laisser le choix à chacun d'entre vous de venir acheter, de descendre pour voir combien les ATH qu'il a payé là. Quand Athènes lui-même, il veut racheter ça là, combien ça fait? Ça fait beaucoup d'argent, je vous assure. Donc, à chacun de le faire au sommet Evangelist Côte d'Ivoire.